Yop les gars, ok. Bon bah écoutez, je crois que cette petite zone est bien sympa. On se trouve où ça? Tour de Famelon, au restaurant des fers. Au restaurant des fers, Tour de Famelon. J'en sais rien, je répète juste ce qu'on me dit. Je vais voir ce que ça donne. Petit dénivelé positif, bien sympa. Et pour l'instant, je suis pas là pour vous parler de ça. On part sur la petite série de vidéos qui m'a amené jusqu'ici et vous allez découvrir un petit peu mon parcours en Suisse. C'est parti. Ça fait maintenant un mois et demi que je suis arrivé en Suisse. Il est enfin temps de vous raconter mes aventures. Bon voilà, du coup, je suis arrivé à Versoix. Je sais pas exactement, c'est en direction de toute façon de Genève, mais je connaissais pas. Toujours en continuité du lac. Et là, j'attends un mec qui doit me montrer un endroit super stylé. On a 4 heures de marche, on va avoir une vue super stylée. Donc voilà, à suivre. Ok, du coup, direction directe dans la forêt. Donc on monte sur les massifs du Jura et je suis accompagné de deux potes juste là. C'est eux qui vont montrer le chemin. Donc vous pouvez déjà mater le paysage, c'est juste sublime, magnifique, ces couleurs d'automne en plus, bijoux. Ok, du coup là on vient de bifurquer. Donc soit on avait un petit chemin tranquille et tout, soit on avait le chemin juste derrière nous. Et celui-là a l'air un petit peu plus pentu, mais c'est pour avoir une vue de ouf. Ok, du coup on est reparti pour une petite balade. Du coup on va en direction de... La dent de Valion. Valion, la dent de Valion. Ok, je vais pas le retenir. Et le chemin est un petit dénivelé, mais on a une vue là-haut. Pépite, je vous en dis pas plus. Bon, on continue l'ascension. Je sais pas si vous avez vu la vue derrière. J'essaye de pas trop me spoiler parce que le sommet est juste là. Mais je pense que ça va être bien stylé. Tranquille. Mate-moi ça quoi!
Après cette balade sur les hauteurs du lac de Joux, il était obligatoire de s'arrêter manger devant le calme et la beauté de cette étendue. Deuxième ascension de la journée. Je brille parce qu'il fait chaud et c'était pas prévu du tout. Petit panorama magnifique. On est au sommet de Châtel. Petite vue pas piquée des hannetons. Yes. Salut les gars, là on est reparti pour une autre rando et on est à combien tu m'as dit ? On est à 1478. 1478 mètres, le début de la rando, c'est juste épique, il y a une vue mais de malade. Là, regardez-moi ça, là. Voilà, c'est juste magnifique. On est parti pour la rando, on se voit en haut. Tu vois ? Tu filmes ? Et après quelques heures de marche, du coup, on est à 1800 mètres, bientôt 2000. C'est énorme, une vue panoramique sur tout le Valais. C'est incroyable. On a bien grimpé, on est passé par une pente. Je pense qu'il n'y avait rien à voir avec le chemin, mais c'était stylé de passer, donc on est monté quand même. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mettez-moi la vue ! Mettez-moi la vue ! C'est ouf ! Bon bah là, je suis essoufflé et c'est pas pour rien. On vient de se monter un truc. Donc là, on va se poser 5 minutes avant d'entamer la partie quand même fatidique. Parce que là, ça va être ouf. Je vous la montre dans un instant en vidéo. C'est une sorte de mini Via Ferrata, pas sécurisée. C'est pour ça que cette zone, il faut vraiment faire attention si vous venez. Parce que du coup, c'est quand même engagé. Mais après, ça se fait. C'est juste cette partie qui disent que c'est un peu sport. Mais après le reste, ça se fait vraiment large. Donc on va tester, je vous dis ça là-haut. Bon, bah si la caméra tremble, c'est normal, la vue est vertigineuse, vraiment, vraiment, on est arrivé à un petit sommet là, on va pas aller plus loin parce qu'il y a de la neige, et qu'apparemment c'est vraiment engagé, et là je suis pas méga chaud pour m'y aventurer, mais franchement, la vue à 360 degrés est juste
pouf, pété. Le lac avec les nuages. Waouh. Ah non, magnifique. Franchement, là, waouh. On est un peu en dessous. On est à 2200 mètres. Et c'est pas mal engagé quand même. C'est vraiment pas mal engagé. On va s'arrêter là. Waouh. Je vous fais des plans tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Bon, bah écoutez, je viens d'arriver dans à la Sahara avec un Z à la fin, mais ça se prononce pas. Du village, j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une cascade et du coup je m'y dirige. Donc je viens d'arriver en train et je vous avoue, ça fait vraiment bizarre d'arriver dans un coin paumé. J'ai une demi-heure de route à pied sur le bitume à travers la ville. Et ensuite, on se retrouve pour cette petite balade et cette cascade. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. Ok, du coup, bah, petit chemin super sympa. On est en plein automne, alors du coup les couleurs sont folles, le petit chemin est vraiment sympa pour y aller, ça croustille sous les pieds avec les feuilles par terre et ça j'adore. Donc fait un petit peu froid quand même, je m'attendais pas à ça, sorti de Lausanne, il faisait meilleur quand même à Lausanne, et là on arrive dans la nature, du coup on continue sur le petit chemin. Bon bah du coup j'entends, je sais pas si vous entendez, mais on commence à entendre l'eau, donc je pense que j'y suis pas très loin. Je commence à avoir 2-3 trucs, mais je vous spoil pas. Mais derrière il y a cette magnifique cascade, c'est la Tique de Conflans. Ça fait un petit moment que je voulais voir une cascade en Suisse et c'est fait. Du coup je suis super heureux de mater la cascade. Waouh, bijoux. Et un peu plus là-haut, il y a une vue, il y a de quoi faire. Donc je pense qu'on va aller là-haut et on va voir ce qu'on peut en tirer comme image. Bah là-haut j'ai planté mon drone. Oh la vache, oh le petit 800 mètres d'altitude dès le départ. On l'avait vu sur les images précédentes, mais on n'est pas tout seul, il y a beaucoup de monde, alors c'est ça qui est marrant. On est tous arrivés pratiquement en même temps et on est monté à la queue leu-leu. Je suis essoufflé, histoire d'avoir cette vue là magnifique. Pff, qu'est-ce que vous voulez que je dise, c'est juste abusé, c'est magnifique. Est-ce qu'on va faire des plans? Je sais pas. Qu'on les fait pas tout à l'heure, je sais pas non plus. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de vous abonner, d'activer cette petite cloche, de mettre un pouce bleu et surtout, surtout de partager. Parce que vu le poids que j'ai pour vous amener de magnifiques images, je trouve que c'est super important de m'encourager pour que je continue à vous faire des vidéos
Voilà. Allez, on continue. La tour de Fablette. C'est facile. Easy. Hein? Ou peut-être pas, j'en sais rien. Bon, on verra bien. C'est où? Ok. Ouf. Bon ben, toujours en train de continuer. Petite ascension. Petit bord de falaise comme ça. On grimpe. Alors, c'est friable, mais ça tient, hein, pas de soucis, faut pas s'inquiéter. Ça monte tranquille. J'ai toujours le coéquipier derrière. Il n'est pas encore mort, j'ai pas réussi à le semer, mais ça devrait pas tarder. Allez, tu penses. Avant que je meure, en vous parlant et en montant, on se retrouve plus tard. La tour de Famelon. 2140 mètres. La tour de Famelon, 2140 mètres. J'ai réussi. Épique, épique. 40 minutes de montée, de pure montée. On s'est fait en mode sport. Magnifique. 360. Rien à dire. Juste, matez-moi ce paysage. Sur la montagne juste en face, on vient de gravir. Alors on sait pas vraiment si c'était un chemin, je pense qu'il y a un chemin. Après il est un petit peu difficile, faut faire attention, mais pour ce matin c'est magnifique. On voit les gens là-bas, je vais vous montrer. Voilà. Oh magnifique, magnifique. Ah ouais. Ça c'est du plan, ça c'est le meilleur plan de l'année. Et peut-être même des chutes. Et moi, j'ai envie de finir, mais en beauté. Alors du coup, je vais finir cette vidéo à côté d'un petit van. Oh, en même temps, ouais, je fais quoi? Ici? Où?
ici avec le van. Bon, c'est mieux le van, on est d'accord. Un petit van, le Volkswagen. Juste magnifique. Voilà. Alors oui, je vous souhaite plein de bonnes choses, de vous éclater, de vivre plein d'aventures. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, ça m'aide énormément. Ça m'aide pour le référencement, parce que tout ce que je fais là, je le fais pour vous. Et ça m'éclate le dos avec tout le matériel que j'ai, mais je le fais avec passion. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de partager si vous avez kiffé. Je vous dis à la prochaine. Tchuss, c'était Guillaume. C'est beau ? Qu'est-ce qu'on va faire là ? On va se bouffer un gros burger. Merci beaucoup. Send patches, we carry on, rise from the ashes. I heal from your passion, my doubts are gone. Non, pas eu le con quand même. Ah, c'est un bonheur. Merci de m'avoir fait. Il est quelle heure? Juste pour rigoler. 14h30, je pense. Ouais, 14h30. 14h30, et voilà, le petit Big Mac de 14h30. Avant la fondue.